Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Tiens, on va parler d'un sujet important, un dossier sans fond. Il n'en finit plus d'alimenter le fil d'actualité en Guadeloupe depuis des années. Maintenant, ce débat, vous l'avez compris, c'est le débat sur l'eau. Et on va accueillir aujourd'hui l'un de ses plus fervents animateurs, c'est Germain Parent, qui est l'invité de Questions sans détour. Bonjour Germain Parent. Bonjour Monsieur Langlois. Le dossier de l'eau, on peut le dire, il ne se tarit pas en Guadeloupe. On fait tout ce qu'on peut. On pousse jusqu'au bout pour pouvoir y arriver parce qu'on pense que l'usager mérite plus que ça. Et je crois qu'il ne faut plus tarder. Il faut y aller vers l'avant. Donc ce dossier aujourd'hui, il en est où très concrètement? Très concrètement, vous savez que le 28 octobre passé, on a organisé, j'ai tout fait avec le comité de l'eau, pour organiser un séminaire de manière à faire venir monsieur tout le monde, les protagonistes de l'eau, ceux qui gèrent, les élus de la Guadeloupe, les représentants de l'État, du département, de l'office de l'eau. Malheureusement, tout le monde avait joué le jeu. Malheureusement, les absents, c'était les élus qui sont responsables de l'eau en Guadeloupe. Pourquoi? Tout simplement parce que... Ils vous ont répondu tout de même. Et personne n'a répondu, sauf qu'ils ne veulent pas collaborer parce que quand le comité de l'eau est là, on fait marche arrière. Mais par contre... On a peur de vous? Vous dérangez? Très certainement beaucoup, mais en tout cas, je puis dire qu'on a avancé beaucoup parce que les services de l'État y étaient présents, le représentant de la région y était, le président du département y était là, et aussi l'office de l'eau. Au grand complet, on a pu définir un certain nombre de travaux qui est déjà en train de réaliser pour la distribution de l'eau. L'État met de l'argent avec le plan ODOM pour pouvoir réaliser, à refaire les compteurs, la mise en conformité et sur la distribution, réparer les plus urgents pour avoir de l'eau au robinet. Et le plus qu'on a gagné dedans, dans tout ça, c'était l'arrivée du médiateur on s'est bagarré pour ça. Et aujourd'hui... Alors ce médiateur, justement, il est arrivé il y a quelques jours en Guadeloupe, il est en train de prendre ses marques, c'est une femme d'ailleurs, Absolument. Il faut le rappeler, vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai déjà rencontré. Comment ça se passe? Très bien, et je peux vous dire qu'elle est en place, et on commence à lui emmener des dossiers des gens, des dossiers épineux, des dossiers... Elle doit avoir une pile énorme, non? Une pile énorme, mais bon, on lui laisse le temps de s'organiser convenablement, mais on commence à lui donner des dossiers. Je peux vous dire qu'elle commence à comprendre aussi ce Alors, que c'est. Alors, ce médiateur, pour que tout le monde comprenne bien, qui l'a nommé? Qui l'a désigné? Eh bien, à force de barrage sous la nationale, j'ai pu réclamer haut et fort la venue d'un médiateur national pour pouvoir gérer ce problème, puisqu'il y a deux phases dans ce problème de l'eau, avec les factures exorbitantes, mais le manque d'eau. Et le plus mauvais, c'est la facturation exorbitante lorsqu'il n'y a pas d'eau. Ouais. Et comme les opérateurs ne veulent pas recevoir nous-mêmes et les usagers, donc il faut faire la part des choses. Nous avons demandé, nous avons réclamé. Donc l'État, le département et l'Office de l'eau a tout fait pour mettre à notre disposition cette personne en question pour pouvoir travailler sur le dossier des gens. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez rencontré, ça se passe bien. Très bien. Vous lui avez amené des dossiers. Oui. Elle est en train de regarder. On peut imaginer qu'à partir de quand elle va rentrer dans le vif du sujet. Elle a commencé à constituer les dossiers, vraiment les mettre en place. Et à partir de là, ça sera à elle de rencontrer les opérateurs et les usagers qui ont des dossiers épineux et faire la part des choses. Et je l'ai dit, maintenant qu'on a ce médiateur sur place... On a cette médiatrice sur place, la seule chose qu'il y aura, c'est de trouver une solution définitive. Dès lors que ça ne marchera pas, je serai le premier à dire, on passera à la deuxième phase, on va être en justice avec tous les dossiers, si les opérateurs... Et vous pensez qu'elle va vous accompagner dans cette démarche? Absolument. Ouais. On fait confiance à la médiation, c'est une première phase. Il faut aller au coup par coup, palier par palier. Déjà, c'est déjà bien d'avoir la médiatrice ici en Guadeloupe pour pouvoir lui démontrer... Quels sont ces dossiers qui posent problème au niveau des facturations? Alors, cette médiatrice, elle intervient, si je comprends bien, à un double niveau. Il y a celui de la relation avec les usagers de l'eau, Absolument. Mais également dans la relation très difficile avec les élus. Absolument, absolument. Je crois qu'elle est à sa hauteur. Elle a mesuré les enjeux. Donc, il faut qu'elle fasse la part des choses. Elle est celle qui doit se trouver au milieu entre les élus responsables. Et entre l'usager qui paye. C'est pas facile d'être au milieu de la mêlée en ce moment.
Ben, pour l'instant, nos dossiers sont prêts, nos dossiers sont bien constitués. On lui remet les dossiers, qu'elle comprend très bien, très vite. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle lise les dossiers très vite. Maintenant, je pense et j'attends qu'elle trouve la solution le plus facilement possible, sans passer par un autre état d'âme. Il y a le Premier ministre qui est venu dernièrement. Il y a eu cette question de l'eau qui a été abordée, notamment à l'aéroport. Vous avez eu des échos de ce qui s'est passé? Je l'ai dit suite à la question qui m'a été posée. Oui. N'attendons pas sous les autres pour régler nos problèmes ici en Guadeloupe. L'État l'a déjà dit, prenez-vous en main. Et c'est dans ce cadre-là que je dis à nos élus, prenons-nous en main, allons travailler ensemble. Maintenant, les difficultés majeures qu'ils ont, c'est de ne pas trouver comment créer la gouvernance de l'eau. Il ne manque que ça en Guadeloupe. Créer une gouvernance, faire la part des choses, créer un conseil d'administration, et puis, avec une usine de production et de distribution, cela ne demande pas midi à 14 heures. Je pense que si cette année, la bonne volonté et de la bonne foi se mettent en place, pourquoi pas y arriver? Je crois qu'aujourd'hui... Et vous y croyez, là? Ah, j'y crois. J'y crois vraiment qu'il faut absolument qu'on ait une usine de production d'eau, qu'on ait cette entreprise d'eau qui appartient à la Guadeloupe pour pouvoir gagner. On va revenir sur ce syndicat, sur cette usine. J'aimerais qu'on aborde à présent la question de l'habilitation eau. Vous l'avez sans doute entendu chez nos confrères d'RCI. Le président de région, Ary Chalus, ce week-end, a annoncé qu'il voulait demander au président de la République à Paris cette semaine cette habilitation eau. Vous en pensez quoi? Ben, si le président de la région demande à avoir l'habilitation et que l'État l'accorde, c'est tant mieux pour la Guadeloupe. Je n'ai rien contre. La seule chose que je dis dans tout ça, c'est que... C'est la panacée, c'est la réponse ultime. Il faut savoir une chose, c'est que nous n'avons rien contre quel que soit l'élu en Guadeloupe. C'est la volonté de gagner, de faire gagner l'usager. À partir du moment où on a de l'eau au robinet, 24 heures sur 24, avec un coût, parce qu'il faut payer l'eau, avec un coût de manière à payer convenablement au mètre cube, moi, ça ne m'engage à rien de travailler avec quel que soit l'élu, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit l'office, que ce soit une entreprise qui soit mise en place. Mais il faut une entité, il ne faut pas deux. Parce qu'avoir deux, cela ne peut pas fonctionner. On se tire la ficelle l'un et l'autre. Et c'est pour ça que je dis qu'une seule unité en Guadeloupe... Enfin, très clairement, on comprend que le président de région a envie de reprendre la main dans ce dossier. Mais si le président de région a la capacité de prendre cette affaire en main et qu'il peut la mener à bien, quel est l'intérêt de dire « non, on n'est pas d'accord ». Quel que soit le département ou la région, à partir du moment où l'usager ne souffre plus et qu'on peut guérir tous les bobos, ben pour moi, à ma foi, il n'y a pas de souci dedans. Alors aujourd'hui, très concrètement, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, il faut une structure unique, c'est ça? Absolument. Structure unique, un syndicat unique, un syndicat comment? Un syndicat, il faut un syndicat. Il faut quelque chose de concret pour pouvoir gérer l'eau. Et pour avoir quelque chose de concret... Et ça, sur l'ensemble du territoire de l'archipel. C'est l'ensemble du département, avec toutes les communes autour. Et il faut une bonne gouvernance pour que ça soit bien géré. Et il faut une usine. Il faut une usine de production et de distribution avec une canalisation moderne et modernisée de manière à distribuer l'eau dans toutes les communes de la Guadeloupe. Alors, on est en novembre 2017 aujourd'hui. Pour que ce soit réalisable, donnez-nous une date pour que les Guadeloupéens aient enfin de l'eau au robinet. Si, moi, Germain Parent, j'avais la manette en main pour faire évoluer cette situation, je mettrais 2 ans et pas plus que chaque Guadeloupéen puisse dire « enfin, on a trouvé une solution ». 2 ans, 24 mois et combien de millions d'euros? Les millions d'euros, vous savez, l'usager l'a déjà payé. Maintenant que l'État maintenant que l'État met de l'argent à disposition des communes et de tout pour pouvoir payer les travaux, ils n'ont qu'à répondre aux appels à projets de manière à ce que les travaux soient concrets et que ça puisse démarrer pour qu'on puisse mettre en place certains avancent le chiffre d'un milliard d'euros, même un peu plus. Même si ça coûte 2 milliards, la santé des Guadeloupéens, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Quel que soit le prix, ça aurait coûté. La tête d'un Guadeloupéen n'a pas de prix. Il faut donner de l'eau au robinet à tout un chacun, quel que soit le prix, ça coûterait. Vous nous l'aviez dit sur cette même antenne lors d'une autre émission l'année dernière. Ouais. L'État est prêt à aider les Guadeloupéens. Il ne manque plus que les Guadeloupéens. Il ne manque plus que nos politiques se mettent d'accord, assis à la même table, et dire oui, nous sommes d'accord, et faire sortir de cette table-là une tête pour pouvoir gérer et avoir la gouvernance en main, avec les usagers autour, avec les travailleurs autour, avec les entreprises autour, avec les politiques à côté, avec l'État, avec le département. Médiatrice. Oui.
avec cette fameuse médiatrice qui est un élément absolument, important. Absolument, absolument. La médiatrice, c'est très important aujourd'hui dans l'histoire de l'eau, puisque pour le peser dans la balance, il faut qu'il y ait une aiguille au milieu. Et dans les deux plateaux, l'usager et l'opérateur. Et maintenant aussi, c'est une manière pour faire comprendre à l'opérateur qu'il ne peut pas faire n'importe quoi et il ne peut pas mettre n'importe quoi au robinet de l'usager. Et on aura l'occasion d'inviter justement cette médiatrice sur l'antenne de TV. On vous remercie, Germain Parent. On travaille bien avec, on a bien commencé. J'espère qu'on ira jusqu'au bout et qu'elle va faire valoir ses droits à son niveau. Et nous sommes là et nous avons le droit de regard sur ce qu'elle fait. Et nous lui disons, commençons bien pour qu'on puisse terminer bien. C'est le cas aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. On verra si votre appel est entendu. Merci à vous, Germain Parent. On se retrouve très rapidement sur ETV pour un nouveau numéro de Questions sans détour.